Bonjour, bienvenue au Fort Cassault pour un nouveau reportage. Le Fort Cassault est un élément de la ligne Maginot, c'est un petit ouvrage d'infanterie composé de trois blocs, un bloc entrée dans lequel je me trouve, deux blocs de combat, reliés par des galeries à 25 mètres sous terre. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le bloc numéro 3, et plus précisément sa tourelle de mitrailleuse, modèle 1935. Suivez-moi. Maintenant devant le bloc 3, place à la démonstration. Caporal-chef Cauchy était assis, dans l'étroite chambre de tir de la tourelle, sur un siège placé sous le jumelage. Avec ses pieds, il commandait la rotation de la pièce. Grâce à un levier, il pouvait éclipser ou mettre en batterie l'engin. Enfin, les poignées des deux manivelles déclenchaient le tir des mitrailleuses. En cas de panne électrique, les manivelles permettaient de tourner et, à l'étage inférieur, d'autres manivelles permettaient la manœuvre éclipse-batterie. Les munitions en vrac provenaient des magasins souterrains. Elles étaient conditionnées en chargeurs de 150 coups à l'étage inférieur de la tourelle, puis stockées dans des armoires qui garnissaient tout l'étage supérieur. Ainsi, en cas de besoin, une noria à munitions électriques permettait d'alimenter la chambre de tir en chargeur. Les étuis des cartouches tombaient dans une gaine à l'intérieur du corps de la tourelle jusqu'à un panier ventilé placé à sa base. En cas d'alerte, le caporal-chef qui dormait sur place était aidé par un pourvoyeur debout au-dessus de lui, par un homme qui approvisionnait et par un sapeur électromécanicien qui s'occupait de la ventilation et garnissait les boîtes chargeurs. Ces trois hommes suffisaient à servir la pièce en attendant les renforts. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi suivre l'association Fort Cassault, les activités de l'association sur Facebook. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour une visite.